circuit défaillant? Les autorités assurent que non. L'eau de mer qui a envahi notre ville semble venir de nulle part. Je te dis que si. Je te dis que non. On est des archéologues, je te signale. Mais non, on fait partie d'un club d'histoire. Il y a une très grosse différence entre les deux. Sauf si on se met enfin à creuser et qu'on trouve un vase antique à 3 anses. Là, tu rêves. Des tas de vrais archéologues ont fait des fouilles dans toute la région. Et tu sais combien de vases antiques à 3 anses ils ont trouvé? 0. Tu veux faire quoi? Annuler les fouilles et créer un club pizza? Et soda? Oui, soda. Et désolé, c'est parce que j'ai très très soif. Si tu es président de notre club, c'est uniquement parce que c'est toi qui l'as créé. Et toi, tu en fais partie parce que ça rajoute des points sur ta moyenne. C'est un club scolaire, alors les membres de ce club doivent pouvoir élire leur président. D'un point de vue technique, oui. Je propose un concours entre toi et moi. Le gagnant devient président du club. Quoi? Mais non, tu peux pas faire ça. Il peut faire ça? Pour être président de mon propre club d'archéologie, il faut que je gagne un débat stupide. Bah, je croyais que t'étais déjà président du club. Hein? D'un point de vue technique, non. Oh, mais t'inquiète pas, je suis sûr que personne ne votera pour Ike. Mais si tu gagnes, il va falloir creuser dans la terre. C'est dégoûtant. C'est un club d'archéologie. Hey, je suis en train de t'aider, là, d'accord? Alors, il a lieu quand, ce fameux débat? Ce soir. Je voterai pour toi. Salut Razal, il y a un problème au garde? Je ne serais pas ici si ce n'était pas le cas. Goûte ça, chérie. Oh, c'est absolument délicieux. Tes parents sont vraiment énervants. Pourquoi ils passent toujours autant de temps dans la cuisine? Ne faites pas de bruit, d'accord? Tiens, c'est tombé tout seul. Je vais ramasser. Allez, pas le temps de les arder. Les cornitis des mers du sud sont en train de provoquer une instabilité sismique tout le long de la côte, ce qui risque de causer à la longue une faille interdimensionnelle très importante entre nos deux mondes. Vous vous souvenez quand le métro a été inondé d'eau de mer? Ah oui! Et personne n'avait sa planche de surf? Il n'y a rien de drôle, jeune homme. Si vous n'arrêtez pas les cornitis des mers du sud, votre ville sera sans doute bientôt noyée sous l'eau de mer. Oh. Force des éléments! Aujourd'hui, le maître est... L'élément eau. C'est toi, Tommy. Oh, c'est pas vrai, je déteste quand je dois rester dans la cave originelle. Je préfère le gore, il y a toujours de l'action là-bas. D'après le grimoire des voyages, vous êtes sur la plage de l'échappée solitaire. Pourquoi quelqu'un s'échapperait d'ici? Ils ont tous l'air de bien s'amuser. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Oh, et la politesse? Je ne sais pas pourquoi, les enfants, mais j'ai un mauvais pressentiment. Ah.
qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Hé, hey, d'après l'anneau de contrôle, il y a un Gormiti de lave pas loin de vous. Il faut vous transformer. Oh là là! Hé, hey, vous êtes là? Regardez-moi dans l'œil. Regardez-moi dans l'œil. Personne ne résiste à la volonté de l'ancien. Vous êtes sous mon contrôle et je vous ordonne de me préparer un sandwich. Non, attendez. On n'a pas le temps de grignoter. Allez immédiatement rejoindre les autres et continuez la quête. Toby, je crois qu'on a un gros problème ici. Les sphères sont chargées. Préparez-vous. Je lance la transformation de l'équipe. Non, c'est impossible. Le Gormiti de lave a le mauvais œil, tu comprends? Allons, pas du tout. Ils se sont tous les trois transformés en zombies. Ils sont sous les ordres de Lance-Flamme. Et moi qui suis coincé dans la cave originelle, qu'est-ce que je peux faire? N'importe quoi, mais fais quelque chose, je t'en prie. Oh, hein? Razel a raison. Maître ou pas maître, je dois agir. Vous m'entendez? Ne bouge pas et plonge ton regard dans mon œil, Oh non, pas toi! Ne le regarde pas! Oh! N'essaie plus jamais de défier mon œil. Et toi, n'essaye jamais de toucher mes amis! Tu n'as aucun ami ici. Attrapez-le! À vos ordres. Attrapez. Attrapez. Attrapez lui. Attrapez. Oh. Sphère élémentaire en action. Gormiti, seigneur de la nature. En avant. Domination du vent. Puissance de la terre. Force de la forêt. Ça, des amis, mon œil. Alors là, ça va être super tendu. Courage, Toby, je ne serai pas loin. Oh, oh non. Attrapez Toby. Nick, allez, reprends tes esprits. Attrapez Toby. Mais Eo, arrête! Ouvre les yeux et accepte ton sort. Ouais. Empêchez-le de faire ça! Toby, hein? Tu peux me dire ce que tu fais ici? Bah, je suis venu vous sauver. Toby? J'ai du sable dans l'œil. Détruisez-les! Détruisez-les! La situation peut vite empirer! Il faut les semer! On court! Razel! Détruisez-les! Ça devrait nous laisser un peu de temps! Je vous le déconseille, messieurs. Lâche-la, Delos. Ces Gormiti ont déjoué le sort que leur avait jeté Lance-Flamme. Désolé, seigneur de l'air. Nous ne sommes pas les seuls, apparemment. Les gens de notre peuple ont été transformés en esclaves à cause d'un caprice de Lance-Flamme. Venez, nous ne sommes pas en sécurité dehors. Oh, quelle sortie! Ha 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 ha!
Pour tout vous dire, Lance-Flamme est à la recherche du cœur des souhaits oubliés. Qu'est-ce que c'est? C'est un roman d'amour? Une amulette très ancienne au pouvoir magique. D'après les runes, c'est sur ce littoral qu'elle a été perdue. Ce n'est qu'un mythe, une rumeur. Votre ami est arrivé au bon moment. Lance-Flamme venait de vous jeter le sort, il était plus facile à déjouer. Hé, hey, mais c'est vrai, je suis un peu votre héros. Dis donc, t'étais censé être notre maître cette fois-ci. Oui, comment on rentre s'il n'y a plus de maître aux commandes? Comment je peux me défendre devant Ike pour rester président du club si je suis un homme de pierre et que je suis coincé ici? Eh ben, on dirait que ce club est vraiment très important pour toi. Je te promets que tu resteras président, il y a sûrement un moyen. Il faut le trouver, vite! Sans maître pour charger nos sphères, on manquera vite d'énergie. Et si on ne fait pas quelque chose pour arrêter Lance-Flamme, nos deux mondes seront sérieusement en danger. Vous nous avez dit que les runes vous indiquaient où était le cœur. Mais quelles runes? Le matin où Lance-Flamme a pénétré dans cette pièce, ça a été le début de la fin pour notre peuple. Oh wow. Les runes sont des écritures. J'ai étudié ça dans la bibliothèque de la cave originelle. Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas du tout. Moi, ce qui ne m'étonne pas, c'est que Lance-Flamme veuille cette amulette. Elle a les pouvoirs d'un génie. Ça veut dire qu'elle exauce 3 vœux? On pourrait lui demander de rentrer chez nous. On pourrait lui demander d'arrêter Lance-Flamme. Et aussi de sauver votre peuple. Vous dites que Lance-Flamme est venu dans cette pièce le matin. Il n'y avait pas assez de lumière pour que tout apparaisse. Il n'a pas pu lire toutes les instructions. Les runes l'ont bien conduit à creuser, mais au mauvais endroit. Si ce que tu dis est vrai, tu as toutes les qualités pour devenir un archéologue exceptionnel. Dites ça à Ike Pickney. Nick a peur de se montrer, on dirait. Il serait déjà là, sinon. Il a seulement un petit peu de retard. Oui, une bonne heure. D'après le règlement intérieur de notre école, si l'un des opposants refuse de se présenter au concours présidentiel, alors il ou elle renonce à la présidence du club concerné. Félicitations, Ike. Tu sais lire, c'est bien. Je peux surtout dire que Nick n'était pas présent. C'est moi, Ike Pinkney, le nouveau président du club d'archéologie. Et voici ma première décision de président. Tournée de pizza et de soda. Non, encore mieux. Je renvoie Nicolas Tripp du club d'archéologie. Ce cher Nicolas Tripp est fini. J'ai hâte de voir la tête qu'il fera quand il apprendra que je l'ai renvoyé de son propre club. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Je suis le président, non? D'après ton précieux règlement intérieur de l'école, tu ne peux gagner un débat qu'après avoir défendu ta candidature. Ah, très bien, alors... il y a des tas de raisons pour lesquelles vous devriez voter pour moi au lieu de cet idiot de Nick Tripp. Laissez-moi vous les énumérer et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Dépêche-toi, Nick. T'es passé où? Dépêchez-vous, on n'a pas toute la journée. Je perds beaucoup d'énergie en faisant ça. Maintenant, voyons ce qui se cache là-dessous. Seigneur de la mer. Quelle sorte de magie peut changer un puissant Gormiti en un petit être ridicule? Oh non! Il n'a plus d'énergie! Creusez! On doit absolument trouver cette amulette si on veut arrêter Lance-Flamme! Oh, je ne compterai pas trop là-dessus! Alors, qui vais-je envoyer pour éliminer ces insolents Gormiti? Moi, j'ai trouvé! Helico, à toi de jouer! Oh non! C'est pas vrai, pas maintenant, non! Aidez-moi! Racine magique! Oh, t'es lourde! Ah bon, tu trouves? Hein?
Notre cyclope va le payer. C'est une excellente nouvelle. Quelle situation ironique, j'ai un œil géant et pourtant je ne vois rien du tout. Tu ne trouves pas ça ironique? Non, je ne vois pas. Et t'as encore rien vu? Plus quelque chose est gros... Et plus il tombe lourdement. Vous allez le regretter. Quelqu'un a perdu son amulette? Ouais, bien joué, Toby. Il a assuré le frangin. Vous avez le cœur des souhaits oubliés. Donnez-le-moi, ou je vous ferai. Mais... il ne marche plus. Cette fois-ci, j'ai un très bon pressentiment. Alors ce n'était pas qu'une légende. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je n'ai qu'un vœu à formuler. Je souhaite que mon peuple soit libéré de l'emprise de Lance-Flamme. C'est grâce à tes amis et à toi que nous avons trouvé le cœur. Vous avez donc mérité qu'il vous exauce deux vœux. Oh, trop fort! Je vais demander d'avoir des montagnes de crème glacée jusqu'à la fin de ma vie! Toby! Oh, quoi? Je plaisante, c'était pour rigoler! Je souhaite que le maître de cette mission reprenne place dans la cave originelle. Bah, et nous alors? Merci pour votre aide! Y'a pas de soucis! Vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir essayé, n'est-ce pas? Hein? Par les sphères du cœur! Alors, ça va? Il ne nous reste plus qu'un vœu! On a intérêt à bien le choisir. Oh, c'est déjà fait. Tu as déjà utilisé notre vœu? Mais qu'est-ce que tu as demandé? La dernière raison pour laquelle vous devez voter pour moi, c'est que Nicolas Tripp ne pourra jamais, jamais trouver dans la région une relique d'ancienne civilisation, comme le vase antique à trois anses. T'en es sûr? Regardez ce magnifique vase antique à trois anses. Je rêve, t'aurais pu souhaiter n'importe quoi d'autre. N'importe quoi. Ouais, mais quel vœu aurait été mieux que celui-là? Par exemple, des chaussures à vie, les soldes dans les magasins jusqu'à la fin des temps. Un peu dans le monde. Plus de parents dans la cuisine quand on va dans la cave originelle. Plus jamais de devoirs. Une star. Un rencard avec un top modèle. Oh, tu me regardes.